Seigneur, nous accueillons ta miséricorde en ce nouveau matin. Ta louange comme ton nom. Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre, de nos maisons. Ta main droite est pleine de justice. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Encore une joie de nous retrouver en ce matin. En ce nouveau matin que Dieu nous donne par sa grâce. Nous sommes réunis dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges gardiens et avec tous les saints et saintes du ciel. En ce matin, Seigneur, nous voulons encore lever les yeux vers les cieux pour te rendre grâce. Te dis merci. Merci pour cette nuit que tu nous as donné d'avoir. Merci parce qu'en ce matin encore, tu réveilles tout un chacun de nous, là où beaucoup n'ont pas pu se lever. Nous te disons merci, éternel Dieu, éternel Roi, pour le don gratuit de la vie, pour le souffle de vie que tu renouvelles en tout un chacun de nous. Nous te disons merci en ce matin pour cette semaine nouvelle que tu nous donnes d'avoir par ta grâce et par ta miséricorde. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes anges que tu envoies camper tout autour de nous. Nous te disons merci pour ce soleil. Nous te disons merci, Seigneur, pour les opportunités que tu nous donneras d'avoir tout au long de cette journée. Nous te disons merci parce que ta main est posée sur tout un chacun de nous. Ta droite victorieuse est posée sur nos maisons, est posée sur nos foyers, sur nos nations et sur nos différentes activités. Ah oui, il convient que nous puissions unir nos âmes pour simplement te rendre grâce, témoigner de tes hauts faits dans nos vies, témoigner de ta grandeur dans nos vies, témoigner tout simplement de ta fidélité qui est grande. Quand je vois les bontés de mon Dieu dans ma vie, mon action de grâce est à l'éternel. Quand je vois les Seigneur, quand je vois tes bontés dans ma vie, quand je vois tes merveilles se renouveler chaque matin dans ma vie, quand bien même je ne le mérite pas, Seigneur, mon cœur se retourne vers toi pour te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, merci pour tes anges, merci pour tes saints. Action
dans ma maison, mon action de grâce est à l'Éternel. Oui, Seigneur, quand je vois ta bonté pour mon foyer, pour ma maison, mon action de grâce te revient. Quand je vois tes merveilles, tes hauts faits se renouveler pour ma nation, mon action de grâce te revient. Même quand je me lève en ce matin, que j'ai beaucoup de questions en moi, que je suis pleine de tristesse, Seigneur, cette flamme d'espoir en moi me pousse à te rendre grâce, à te dire merci. Parce que je sais que cette tristesse ne saurait durer en moi. Parce que je sais que cette colère ne saurait durer en moi. Voilà pourquoi en toute chose, en toute circonstance, Seigneur, mon action de grâce te revient. Ma louange te revient. Mon adoration te revient. Parce que toi seul en es digne. Voilà pourquoi à toi qui m'écoutes, à toi qui t'es levé en ce matin, lourd, fatigué, chargé, avec plein de questions, je t'invite tout simplement à te laisser aller dans la mouvance du Saint-Esprit, qu'il te conduise au devant du trône de Dieu pour t'amener à lever ton action de grâce devant lui. Que par ton action de grâce, en ce matin nouveau, en cette journée et pour toute cette semaine, que notre Seigneur te restaure pleinement. Qu'il te restaure totalement, qu'il apaise tout ce qui est douleur en toi, qu'il apaise tout ce qui est amertume et tristesse en toi, et qu'il fasse taire toutes ces voix qui ne confessent pas son nom dans ta vie. Ma louange est à l'Éternel. Ma louange à l'Éternel. Alors bien-aimé, c'est dans cette mouvance-là que je t'encourage encore à laisser tout simplement ton cœur s'exprimer, à laisser tout simplement le Saint-Esprit prendre le contrôle de tes pensées, à laisser tout simplement les anges, ton ange gardien, t'aider à prier et à être agréable dans la présence de Dieu. Et par leur présence et par leur intercession, qu'ils te donnent d'être renouvelé en ce matin, renouvelé pour toute cette semaine à venir. Que le Saint-Esprit vienne encore te fortifier, que le Saint-Esprit vienne encore te relever, couvert par le manteau virginal de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il t'aide vraiment à affronter et à marcher tout au long de cette semaine, sans crainte, sans doute, sans peur, sans colère, et sans toutes ces choses-là qui pourraient t'éloigner de la vraie présence de notre Seigneur. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.